Hello everyone, welcome to BGS, Vintage Channel 30 with Lost Planet 3. On peut entendre Mecha. Alors ça c'est notre Mecha, il est magnifique. Alors Lost Planet 3, Planet 3, 100 TPS. Ah, on peut changer les armes. D'accord, un quasi d'armes. Donc c'est un TPS de Capcom, date de 2010, quelque chose comme ça, la date exacte, et en clair, sur une planète qui s'appelle Odin, qui est recouvert de glace, qui est recouvert de ce qu'on appelle les acrides, qui génèrent de l'énergie, on appelle l'énergie thermique, l'ADN. Et en fait, le boulot c'est de récupérer de l'ADN pour faire fonctionner la colonie et former sur Terre. Là, l'épisode 3, la Lost Planet 3, ça se passe après deux débuts d'histoire. C'est un préquel, ça se passe juste après le 1, pardon. On est Payton à tous ses tout débuts. Alors, le 1, on a déjà un peu adapté. On a créé un peu de temps, c'est d'autres personnages. Et la planète est dégelée. Le spray permettra à ton mecha de ne pas geler une fois dehors. Et tu seras protégé uniquement contre les tempêtes de catégorie inférieure à Cardinal. C'est bien compris? Au-delà de ça, je garantis rien. Je vais changer la musique. Salut mon cœur. Un petit message rapide. Ça, c'est votre femme. Ne t'inquiète pas, mais je crois que je suis en train de devenir un peu dingue ici. J'ai passé 20 minutes ce matin à chercher un chapeau que j'avais sur la tête. Cette semaine, j'ai retrouvé mes clés toujours dans la porte à l'extérieur, bien sûr, mes chaussons sous la douche et ma brosse à dents dans le réfrigérateur. Parce que voilà, l'hygiène est importante. Sérieusement, il se passe quoi? Il y a une bestiole maléfique nommée Hank qui s'amuse. Hank, c'est le fils. C'est les objets pour me rendre compte. On comprend que Payton est là pour gagner de l'argent. Ta femme est en train de devenir totalement cinglée. Sa famille sur Terre, sachant que la Terre est en train de mourir. Ouais. À cause de la pollution, puis le manque d'énergie, etc. Ils vont sur Odin 3, la planète des acrides. Bon, bisous. Pour extraire l'énergie et l'envoyer sur Terre. Lui, c'est un peu pas un mercenaire, mais oui. Salut mon cœur. Un petit message rapide. Alors, ne t'inquiète pas, mais je crois que je suis en train de devenir un peu dingue ici. J'ai passé... C'est très... country. Regardez mon coup, c'est magnifique. La station. On passe jamais, on n'a pas encore passé par là. Il y aurait tout le temps par là. Je sais pas si vous m'entendez bien. Donc Lost Planet 3, la suite du 2, mais qui est un préquel qui se passe avant là. C'est sauvé, c'était fermé.
FPS, soit par méca, soit par... Pas du tout avec les autres. Une arène.
Sud.
c'est bon. Ouais. Se calme. C'est arrivé d'un coup pendant que je bossais dans la vallée du Sud, j'ai pu remonter dans mon méca juste à temps. Je sais, tu t'en doutes déjà, mais il fait vraiment froid ici. Et pas juste froid comme les hivers chez nous. Ce matin, par exemple, j'ai respiré dehors et tous mes poils de nez ont gelé sur place. Sans déconner. Au moins l'air est pur, c'est déjà ça. J'aimerais te dire que je m'habitue à tout ça. Que je m'habitue à tout ce froid, mais c'est pas le cas.
Depuis que je suis monté dans ce vaisseau pour venir ici, je n'arrête pas de penser à toi. Ouais. À chaque minute. Quel courage de me laisser partir. D'élever un an ou deux. Qui sait combien de temps. Sur Terre. Parce qu'il y a une fille. T'es formidable, tu sais ça. J'aimerais être aussi fort que toi. Pour pouvoir tenir le coup ici. C'est vrai, il fait tellement froid ici. C'est clair. Je t'aime, ma chérie. C'est un peu long, cette histoire. Bon, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. De PGS No. 30 with Lost Planet 3. Allez, à bientôt.